la salle de bain, que j'avais dit, enfin, que j'avais dit, que j'avais vu, pardon. Bizarre tout de même, une porte fermée alors que j'ai même pas d'inventaire. Comment je pourrais l'ouvrir? C'est un peu what the fuck comme histoire là. Des trucs qui se dessinent tout seuls ici. Oh là là, je sais pas du tout, je suis vraiment perdu là. Oh sérieux, ça c'est vraiment flippant ça. Ce serait là alors? Ok, je me casse. Oh. Salut à toutes et à tous les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Amnesia Imagine for Pigs. Et aujourd'hui nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés de Laura aujourd'hui. Hello. Et ouais, entre nous. Alors souvenez-vous, nous nous sommes arrêtés passage plutôt effrayant, hein, dirons-nous, sur l'annonciation de ce troisième épisode. Et bien, j'ai montré qu'il y avait un passage très effrayant. On entendait la respiration de Monsieur Dark Vador. Et au moment où j'ai touché la porte, il s'avère qu'il y a eu des gros... Et là, j'ai eu vraiment très peur. Et je me suis barré dans le couloir pour me cacher. Et c'est vrai que j'ai découvert un truc dans la salle de bain qui était juste à côté. Ouais, voilà, c'était par là-bas, je crois, à droite. Bah, Laura, t'as dû faire la même chose, toi aussi. Tu sais, la porte, t'as entendu la respiration de Dark Vador, t'as tapé dessus, t'as entendu... Bon, bah, voilà. Et en fait, tu peux pas l'ouvrir. Ouais, on peut pas l'ouvrir tout de suite après, donc je me suis réfugié là. Et il s'avère, attention, que ouais, je m'étais planqué là, je me suis perdu pendant une semaine là-dedans, dans ce trou paumé de la mort. Et il s'avère que dans cette salle de bain qui se trouve ici, il faut, voilà, le tableau qui est ici, il faut le dégommer, comme ça. Et le levier, il faut l'activer, et voilà, la pièce secrète qui s'active comme par magie, avec beaucoup de sens. C'est mignon, j'aime ça, tout de suite, cette ambiance, c'est magnifique. Alors. Ah oui, donc on se trouve à l'opposé de la salle des machines qu'on a activée précédemment en fait. Ok. Mais c'est trop chelou comme endroit. Attends, Attends, s'il n'y a plus rien à faire ici, je fais quoi maintenant? Attends, je vais faire un coup là. Ah là, je peux pas y toucher. Non, je peux pas parler. Il faut que je revienne en arrière, donc. Attends. Non, c'est pas par là, je peux revenir en arrière. C'est quoi ce truc? Je sais pas. Mais tu peux pas y aller. Ça se trouve, c'était là, tu sais. Ouais, tour de toboggan. Ouais, non, c'est pas là. Bon, bah. Voilà, pour espionner les gens, en tout cas, cette maison, elle est idéale. T'aimes pas quelqu'un, tu veux l'espionner, vas-y, quoi, tu peux y aller. Non. Alors. Eh bah, ça se trouve, attends. Ah bah, c'est ouvert, ça y est. Quoi? Oh, c'est quoi ça? Oh, le vieux truc qu'il y avait au fond.
Eh mais attends, je ferme la porte. Hands are bleeding, raw. I scrub and scrub, but the smell will not live. How can I hold my children? Merde, je pensais que je pouvais aller dans le lit, tu sais, pour me planquer, mais non. How can I kiss them goodnight with lips that have issued such instruction? Ouais. Alors, la vieille Sally dans la maison de poupée. Un soir, elle s'est approchée de votre porte avec son joli tablier qui lui est arrivé jusqu'aux pieds. Ses cheveux bouclés et ses yeux bleus de Chine, comme une main à moitié enterrée dans la neige hivernale, comme une main dans la neige hivernale. Ok, ça va, la rime là, elle était pas trop compliquée. Et par la fenêtre, par la fenêtre entrouverte, oui, c'est ça. Elle vous a demandé des pommes, son visage était caché, pardon, mais ses yeux brillaient. Et vous vous êtes laissé piéger par cette charmante silhouette. Elle vous a empoigné et dévoré votre cœur. Elle vous a empoigné et dévoré votre cœur. Ouais, ça va. Non, franchement, ils se sont pas fait chier sur ce poème. Hein. Alors, prenez garde la Saint-Sylvestre venue de crainte que Sally vienne demander des pommes. Et sachez que certaines portes ne doivent pas être ouvertes. Écoutez votre père et restez à l'intérieur. Sally punit les enfants désobéissants. Sally s'en nourrit. Ça va, c'est pas trop flippant pour commencer, c'est nickel. Ça va, Imhotep, comme on dirait sur le film qu'on a vu, hein, The Baby. C'était excellent. On a été avec trop peur. Mais non, c'était marrant, arrête. Ouais. Bon, je suis sûr que dans le lit, en fait, il y a une trappe secrète ou un truc comme ça, tu sais. Sous les couettes, tu sais. C'est vrai que je me suis un peu commencé là. Bon, ça se trouve. Attends, je laisse la porte bien ouverte au cas où. Alors. Ouais, ça doit être par là parce que vu les traces de sang. Ah non. Bah, attends. Pourtant, on est venu par là. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Ok. Non. C'est dans la maison, mais je sais plus. D'accord. Attends, c'est là où il est allé, le méchant, là, qui courait. Mais il courait à quatre pattes, en plus, c'était... c'était trop bizarre. Normal. Ouais. Moi, j'ai envie de me casser, voilà. Je veux me casser, s'il vous plaît. Non, bon, d'accord. Vous arrêtez ça tout de suite avec vos bruits chelous, hein. C'est bon, là. Nous sommes bloqués dans Amnesia. Et voilà, dans Amnesia, vous ne cherchez pas à vous cacher des monstres, mais vous cherchez plutôt la solution. Ah, il y a une porte. Non, ici. Ah ouais, bah attends, je vais toucher la porte. Salut, monsieur. Voilà. Bonjour. Non, c'est... Ouais. C'est toujours fermé, ouais. Donc... Bah, ça se trouve, c'est ouvert, là, non? Bah non, on a rien déverrouillé. Ah, mais on sait jamais, tu sais, le fait que t'aies ouvert les deux leviers, ouais. Ça se trouve, ça aurait pu s'ouvrir, tu sais. Mais non, ce n'est pas la solution au problème. Donc, nous allons nous casser, écoute. Alors... Ah bah ça c'est fermé maintenant. Putain. Il y a eu un vieux bruit. J'ai flippé au départ parce que tu sais je pensais que c'était comme Amnesia The Dark Descent. Donc du coup tu sais je mettais jamais la lanterne et tout. Ouais mais là elle est infinie. Ouais mais c'est ça que je trouve pourri en fait. C'est qu'elle est infinie ouais. Donc forcément... Ouais. Bah non, mais dans The Dark Descent, ça a ajouté du piment, tu vois, c'était bien. Ouais, c'est clair. Mais des fois, elle se coupe. Ah, des fois, elle se coupe? Enfin, tu verras par là. Ouais, tu verras par là. C'est une petite partie. Mais ça se trouve, c'est par là, en fait. J'ai mal... Ah, monsieur Terroriste Cactus. Do you know me? Non, je ne te connais pas. Who are you? Where are my children? Ils sont pris au piège, Mandus, sous nos pieds, très loin d'ici.
It is breached. It is flooded. Non, faut aller plus droit. The bulkheads are down. The children are engaged. If you help me, I can help you release them. Ah ouais, en fait, le fait que le jeu soit en petit écran, en fait, les sous-titres, ils sont en bas. Ils seront sur la vidéo, mais ils sont en bas, donc je peux pas les voir là. C'est pour ça, en fait. Hello? Ouais, il s'est cassé, monsieur Terroriste Cactus, c'est une vieille tapette. Au téléphone, il est même pas courtois, tu vois. On en a revenu là. Mais attends, reviens sur cette tête. Ok, attends. On a déjà été là, tout à l'heure. Bah ouais, oui, on y a été, ouais. Là, il y a une porte là. Tu vas lever. Ah! Voilà. D'accord. Ah, ok. Voilà. Ok. Et là, tu rentres là. Ah, c'est là où t'en es, ça? Non, c'est quand tu rentres plus loin. D'accord. Ouais, là, on change tout de suite de registre. C'est hallucinant. Waouh! Arrêtez ça, les gosses! Arrêtez ça, les gosses, s'il vous plaît! I don't want to play with you! D'accord, sympa la porte! Bien limité mur! En fait, tu. Attends, ah, ça doit être là! Ah non, même pas! Non, c'est pas là! Il y a une porte. Attends, je veux monter dans le camion, moi je suis un ouf. Ah non, je peux pas. Bah monte sur l'herbe à gauche. C'est du tour. Voilà, monte sur l'herbe et là il y a une porte là-bas. Ouais. Bah là c'était à gauche plutôt, mais bon. Oui, ça. Voilà. Attends. Là tu vas à gauche. Eh, mais comment ils ont trop bien planqué leur truc, c'est hallucinant quoi. Ça, il faut le refaire. Attends, quoi, voir. Bah non, ça marche pas. Non, le côté sombre. Mais c'est le début, ça. Attends, si. Non, vas-y, reviens, on s'y fait. Quoi? Attends, tourne-toi derrière. Là, je tourne à gauche. Retourne-toi. Ah ouais. Non, tourne la caméra. Ouais, bah quoi? Y'a rien, là. Non, bah ouais, tourne le levier, voir, mais je sais pas si ça marche. Bah non, regarde. Non, bah c'est du côté là. Okay. Bah je vais tout droit. Alors. Non, ça marche pas non plus. Non plus. Attends, je regarde. C'est pas ça. Non, y'a rien ici. Hein. La nuit. Vas-y, retourne à gauche là alors. Voilà. À gauche là? Tout à droite. À droite. À droite. Là c'est là où on va. Bah ouais. Bah retourne. Là bas à gauche là. Mais gauche. Non, j'y suis déjà allé, c'est là. Donc c'est tout droit. Hein. Ouais si c'est tout droit. Hein. Attends, ouais si c'est là. Non en fait tu m'as demandé de retourner là mais c'est pas là. Hein. Parce que là en fait tu m'as fait retourner en arrière. Si c'est là, en fait. Mais non! Parce que nous on vient de la porte qui était là. Non. Ah non, on vient du mur justement où tu m'as dit d'aller. Voilà, c'est là. Ah oui, c'est là, t'as raison. Voilà. Bien ce qui me semblait, voilà, tu me fais faire des bêtises. Oui. Ouais, ça va. Là, mais c'est les bêtises. Wouah! La vache! Putain, c'est trop bien! C'est trop bien! J'adore ce jeu! Putain, comment c'est vautré comme une merde! Hallucinant, gars! Charmant chapitre sur la montée des eaux. Bon, attends, là, il faut que... Comme dans tous les Amnésia, quand tu te pètes la gueule, tu mets 3 ans à te remettre. Moi, je pense que tu sais de quoi je parle, hein, Laura. Ouais. Ok, alors...
23 juin 1899. Je réalise que ma phobie de la crasse vient de la maladie que j'ai contractée en escaladant ces temples perdus dans la jungle. C'est comme si ces endroits propres, exempts de crasse humaine, s'étaient imprimés dans mon âme et l'avaient fragilisé. La peur, voilà ce qui nous retient chez nous. Et la peur de la chair, la ruine de la chair, est la plus effroyable des peurs. Je suis malade, je suis ruiné, mais je vais fabriquer des machines pour contenir ce mal et tous me soigner. L'aube d'un nouveau siècle se profile. Oui. Yeah, le progrès, mec, y'a que ça de vrai. Alors. Go. Comme tu dis, go. Oh, monsieur terroriste cactus, il veut nous parler. The shaking ground you feel is our attempts to clear the floodwaters. Treachery, Mandus. We were undone. Your children are trapped by this act. You must find them before it is too late. What do you need me to do? How can I find them? Always deeper, Mandus. Through the piston room and into the tunnel. Then find the bilge and flush the rotten water. I will help you where I can. But you must be swift, my little friend. Okay, c'est cool. Bon, du coup, comme je peux pas avoir les sous-titres, j'ai fait ça avec ce que j'ai entendu. Donc, il faut être rapide dans la salle des pistons. Et j'ai entendu qu'il y avait de l'eau, je sais pas quoi. Ça va être chaud, quoi. C'est quoi, ça? Ah non, c'est une température invisible, je crois. Putain, c'est chelou. Bon, attends, déjà, je... Mais putain, le tonneau, tu vas te calmer, hein. Ah, le tonneau qui me dégomme comme ça. What? C'est quoi ces bruits de balles, hein? On va se calmer la nuit, les gens, ok? Voilà. Voilà, là, t'enlèves le cuisine, c'est mort. À droite. Ah ouais. Tu me dis, il faut en trouver un autre. Va à droite. Il me semble-t-il que c'est par là. Ah ouais, là. Voilà, ouais. Putain, c'est bien, hein. La vache. Et bah, tu as quitté ma petite machine. C'est stylé. J'aime ça. J'aime ça. C'est trop bien. Là, tu peux me petit les deux. Ça va, c'est pas trop compliqué, là. La 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 la. Ah ouais, je peux pas faire plus. Je me disais merde, mon jeu est bug ou quoi. Mais non, en fait, c'est... je peux pas faire plus. Non. Il y a un autre fusible, qu'est-ce que j'en fais? Il sert pas. Ah, il sert à rien. Ok. Mm-mm. Ah si, ça se trouve, il servira plus tard, mais on le sait pas encore, tu vois. Même toi, tu me laisses. Ouais. Ah, c'est fermé. Mais j'adore ces portes, tu vois, quand elles sont fermées, tu sais, tu peux les ouvrir, mais pas trop, tu vois. Tu sais, tu dis, ah, c'est ouvert! Mais non! Non. Ah ouais, c'est là. D'accord. Putain, mais sérieux! Mais ça, quand t'es sous l'eau, ce jeu, tu vois, t'as un événement, ton perso s'arrête, mais tous les 10 mètres, tu peux pas! Ce jeu, tu vas essayer de faire un speedrun, c'est bon, quoi. Là, tu vois la manette en face, là. Ah ouais, d'accord. C'est sous les escaliers. Voilà. Et là, tu montes là-haut. Putain, c'est trop bien comme machine. Ah ouais, à cause de ça, je pouvais pas monter, du coup. Ah, okay. Non, ouais. Parce que j'avais pas vu les tonneaux au fond. Mais putain. Ouais. C'est trop cher. Ah, la vache. Ouais, c'est... C'était galère à monter, hein. Là, j'ai fait demi-tour. Hop, hop, hop. Ah, c'est sur les tonneaux, là, je parie. Là, tu vas... Non, là, tu vas à gauche. Ah ouais, gauche. Là. D'accord. Voilà. Et là, tu fais la machine. Voilà. Et là, du coup, ça va s'ouvrir. Je redescends. Non. Descends. Ah, ouais. Ok, hein. Ah oui, c'est là, d'accord.
Et là, il y en a qui sont plus durs. Waouh! Doucement, les amis! Eh, mais j'adore! Mais avant, le premier amnésia que j'ai fait, sérieux, enfin, le premier du coup, et cet événement-là, je l'aurais eu, mais tu sais, j'aurais fait. Ouah, putain! Et là, maintenant, voilà, ça y est, je me suis habitué, quoi. Honnêtement. Puis avec The Baby que j'ai vu il y a pas longtemps, c'est bon, je suis chaud, là. Voilà. On est rodé. Ah ouais, du coup, ça s'est pas ouvert. Faut encore une machine, je parie. Ouais, c'est ça, Vas-y, on va ouvrir la porte à l'appel. Ouvre-toi! Je sais pas qu'il va en sortir un troisième. Bah ouais, mais du coup il est où? C'est ça le truc. Du coup non, ce serait pas par là. Ah, peut-être là. Non, ça c'est de là d'où je viens, je pense. Ouais non, ça je l'ai activé. Ouais non, ça peut pas être là, c'est pas possible. Putain, leurs machines elles sont trop bizarres, quoi, sérieux. Il faut des... Non, en fait, là, tu vois, là, ouais, voilà. Voilà, continue. Ouais. Bah, à part ça, je voyais pas, tu vois. Continue. Vas-y, continue. Ah, c'est peut-être là-dedans, en fait. Voilà, attends. Ah, il y a une manette, j'avais pas vu. Pas. Voilà. J'avais pas vu. Autant pour moi. Je suis un petit peu bourré, des fois. Et là, tu... On se calme. Attends. Excellent. Bon, maintenant laissez-moi. Ah oui, non, merde, c'est vrai. Yep. Attends, je crois qu'il y a Hulk dans le coin. Attends. Non, mais attends, il faut un fusible. Je pense que le fusible de tout à l'heure, il faut. Non, va à gauche là. Ouais, va à gauche. Non. Retourne. Là, va à droite. Voilà. Bon, d'accord, hein. Là. Descends. Ah, faut descendre. Attends, non. Reviens sur tes pas. Y'en a un là? Oh, je me souviens. Est-ce que tu veux bouger la caisse? Ah non, c'est là, accroupis-toi, voilà, accroupis-toi. Ah! Oh putain, il est bien voilà. Planqué quoi. Truc de bâtard. Oh la vache. Putain, faut vraiment avoir l'œil, hein, parce que là. Tu sais, c'est bâtard, tu vois, le fait que tu puisses plus rien bouger, tu vois. Il faut exprès de les cacher dans un coin bien vicieux. Putain, mais normalement, tu prends un fusible à main nue comme ça, mais tu t'électrocutes ta race, quoi. Et là, la grille est ouverte. Bonjour, voilà. Petit bonhomme. Attends-moi, je vais t'attraper, s'il te plaît. Non, tu veux pas. Non, d'accord. Putain, il y a vraiment des bruits chelous dans ce bordel. Oh non. Attends, faut tourner ça? Là, tu descends. Non, je peux pas. Non. Putain, il y a tout pété! C'était ça le gros tremblement? Là, tu montes à droite. Il y a un escalier à droite. Hold still, for God's sake, hold still, child. Don't let it get into your eyes. I'm gonna reach down now. It will be fine, you just need to lie down. Super, il parle de cellules et tout, c'est vraiment gay hein, là-dedans. Bon, attends. Il est bien. Il est bien fait quand même. Bah du coup, c'est obligé que ce soit là, voilà. I told you he'd come. Allez. Oh, c'est trop classe. Voilà. Ah, mais c'est ça qu'on voit dans le menu! Oui, c'est ça. Ensuite là, il faut que tu. Non, retourne-toi. Ah, c'est ça d'abord? Il y a un levier juste derrière. Ah, ouais, c'est ça. Attends, je pouvais le saisir, mais là je peux plus. Non, derrière toi. Ah, oui, là. Derrière toi. Non, mais retourne-toi. Ah, ouais, ça. Là, actif. Ensuite, retourne-toi, actif. Ah, c'est un ascenseur en fait! Non, c'est pas un ascenseur. Et là tu mets sur on, voilà. Et tu tournes. Là je peux pas le toucher celui-là. C'est ça? Bon bah retourne-toi. Non, laisse ça, retourne-toi là maintenant. Ah oui non, il fallait juste attendre. Voilà. Retourne-toi maintenant, c'est exact, je vais te dire.
Voilà, et ça marche. Waouh, c'est chelou comme système. Putain, le mec il devait pas se faire cambrioler souvent. Ah, c'est là qu'il fait arriver. J'ai même pas regardé si l'autre porte était fermée. Un petit peu con de ma part quand même. Mais bon. Enfin, je vais regarder si là où on est, si c'est vraiment un autre endroit. Je vais arrêter la vidéo. Ouais. Ok. Parce qu'il faut pas que ça dure trop longtemps non plus, t'imagines bien. Ouais. Ça fait combien de temps là ça Je sais pas, je crois que ça fait 1/4. Ouais. Ça passe vite, hein, surtout sur Amnésia. Ouais. Attends, c'est quoi ici? C'est le bar? Ah ouais, il y a Monsieur Terroris Cactus qui veut passer un coup de fil, attends. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Monsieur Terroris Cactus. Je sais pas comment il fait pour tenir la lanterne comme ça, 24 sur 24, je sais pas, il doit avoir une crampe à la fin, mais franchement, il est balèze. Hein. Alors. Il y a une petite porte là. Attends, non, c'est pas une note, je pensais. Oh ah non, j'arrive pas à chanter aussi bien que la demoiselle. Ah mais putain, par contre les tiroirs dans ce jeu, quand t'essaies de les fermer, ils se ferment pas, tu vois. C'est, ça y est, je suis fermé. Eh ben non. 1er mai 1899. Mais que se passerait-il s'ils pouvaient se lever et marcher comme des hommes? Que se passerait-il si leur brutalité était exploitée? Chanteraient-ils? Trouveraient-ils leur propre dieu? J'ai vu ces choses, et je peux vous dire que non. Mais elles accepteront volontiers de se tourner vers un dieu pour l'adorer. En cela, j'ai compris qu'elle nous ressemble beaucoup. Une fois ce seuil irrévocable franchi, je réalise que nous sommes nous aussi entravés et qu'il nous faut nous libérer. Pour libérer l'homme, nous devons le découper. Ok ! Ok, c'est quoi cette philosophie là ? Pour franchir cette grande chaîne évolutive, il nous faut d'abord la représenter. Mais c'est quoi cette philosophie là ? Eh mais les mecs, mais vous en avez trop pris quoi ! Ouah, mais... La vache. Ce jeu déconseillé aux âmes sensibles, voilà. Ils ont oublié de le préciser, tu vois. Je suis encore dans la maison, là. Ah, bah voilà, ça tombait bien, j'ai envie d'aller aux chiottes, voilà. Le mec il se baisse bien, tu sais, pour simuler et tout. Voilà, je tire la chasse aussi. Ah non, je peux pas. Non, bon bah tant pis. Et il faut toujours fermer la porte derrière soi. Oui, tout à fait. Ah, encore une note. 11 octobre 1899. Nous mettons en application les dernières découvertes chimiques en utilisant de faibles niveaux d'un dérivé de lanthanum afin de maîtriser le produit avant même le lancement du processus. Flins... De quoi? Ah non, ainsi. Oh putain, j'ai trop mal lu quoi. Ainsi, nous les transférons des enclos vers la chaîne pour éviter qu'ils ne paniquent, n'endommagent des composants de la machine ou ne se blessent. Cette partie de la courroie est recouverte de caoutchouc et bien éclairée pour préserver les bonnes ondes. Nous avons aussi remarqué qu'en plaçant des gramophones et des amplificateurs acoustiques à des endroits stratégiques de la chaîne, nous réussissons à apaiser le bruit. Debussy y parvient particulièrement bien. Ok.
Donc le Landanum, chers amis, ils reprennent bien les épisodes précédents, puisque le Landanum servait à nous soigner dans le 1. Voilà. Et d'ailleurs, quand on prenait le Landanum dans le premier, c'était la première apparition de Bobby. Ouais. Mmh. Je me souviens parfaitement de ce passage. Ah, mais il va y avoir les cochons là. Ouais. Ah ouais, cochons, des petits cochons tout mignons. Des piggy bien décomposés. Non, tu peux pas là. Ça, c'est à la porte à droite. À gauche, je veux dire. Là-bas, à gauche. Ouais, à gauche, ouais. Mais ça va, je sais où c'est la gauche. Non, je peux pas. Ah, celle-ci. Mais ils sont mignons. On voit même leurs côtes. Ouais. Regarde, ça fait... Tu peux le toucher, là. Tu peux le décrocher. Yo, mec. Yo. Non, je peux pas. Avec sa tête, oui, non. Yeah. Bon, je vais arrêter mes conneries. Yo! Attends, je prends sa tête. Yo, mec! Non, je peux pas. Oh, merde. Yo. Non. Vas-y, je le laisse. C'est très charmant comme endroit. Là, faut que tu vas par la fenêtre. Mode ninja, vas-y. Mode ninja. Ouais. Mais putain. Voilà. Tu veux voler. Ah, il fait très beau aujourd'hui. Il fait très beau. Ce temps me rappelle. Là, tu ouvres la porte à gauche. Retourne sur tes pas. Quoi? Tu veux que je ressaute encore par la fenêtre? Attends. Non. Non. Redescends. Là, il y a une porte à gauche. Couche ça. Bah, non. La merde, elle est où? Attends, retourne en arrière. Attends, je dois faire ninja ici, je parie. Non, je peux pas. Non, recule. Ah, c'est la gouttière qui me gêne. Va à droite. Il y a une porte par là. Ouais, là. Non, retourne en côté. Non, mais attends, la porte doit être par là, non? Non, il faut que tu l'ouvres avant de partir. Ah, c'est ça. Non. Non, ça va, ouais, mais attends, si on est ici, c'est qu'il y a une raison. Attends, va à gauche, là. Voilà, là, il y a la porte. Ah, d'accord, c'est ça. Ok. Ah ouais, donc t'avais bien raison. Maintenant, en fait, c'était où tu étais tout à l'heure, mais il faudrait que tu viennes poser un réservoir en dessous, là. Et du coup, je dois faire quoi, là? Bah là, tu ressors dehors. Ok. Ok, tout à fait, pourquoi pas, hein. Ouais. Ah, il y a peut-être un intérêt plus tard à faire ça. Ouais, c'est juste que tu viens de mettre un réservoir en plus. Il est sur le camion à gauche. Là, voilà. Ouais. Il est tout par là. Je crois. Là, il y a une note. Ah ouais, ouais. Bah non, il est pas là. Ah non, il est après. Calendrier de livraison. Comment diable sommes-nous censés honorer ce maudit calendrier de livraison si le matériel qui nous est fourni ne nous fait tout simplement pas l'affaire? Ces nouveaux chariots ne parcourront qu'une partie de la distance que mon vieux bourrin réussissait à parcourir avant de manquer d'essence. D'après le contremaître, ce n'est pas un problème, les pompes ne manquent pas à l'extérieur de l'usine, mais il faut tirer un maudit réservoir du chariot, le remplir à l'endroit le plus proche, et ainsi de suite. Je ne vais quand même pas continuer d'actionner cette maudite poignée pour m'apercevoir à chaque fois que le réservoir est vide. Mince alors, j'en ai assez pour ce soir, je laisse tomber. De toute façon, personne n'a besoin d'aller au cimetière. Harry Potter, si vous m'entendez, je vous retrouve au Damson Templar pour boire un verre. Ah, j'ai jamais vu Harry Potter ivre perso, mais bon, ça doit être marrant. Come on, papa, let's climb this one. Je crois l'avoir vu. J'ai cru avoir vu le gamin, mais je suis pas sûr. Attends, ah ouais, c'est là. Il y a une porte ouais, à gauche. Ça. Voilà. Ouh, c'est quoi ces trucs rouges? Tu prends le petit réservoir qui est sur la gauche. Tu peux à gauche. Ouais.
merde, il est. Ah, voilà. C'est ça? C'est un réservoir, ça? Ouais. Et tu retournes où est-ce que je t'ai fait ouvrir la porte? Bah, au camion, là? Non, non. Ah non, il y est déjà. Non, ouais. Youpi! Il faut que tu ailles le remplir et après tu le mettras au camion. Alors. Là, tu me mets la petite machine. Let's go! Là, quand on oh, la diminution du niveau d'essence est très réaliste. Oh putain, merde. What? Qu'est-ce que ça passe? Ah, il est là-haut, putain! Oh, il est là. Oh la vache! Oh merde. Il va pas venir, hein? Ouais, bah attends. Mais non, mais c'est que tu récupères le truc. Oh, mais trop bien. Et c'est toi qui dis ça. Et donc, quiconque, on se calme, hein. C'est bon, là. Non, mais où? Non, c'est bon. Ok. Je peux le virer. Et je l'emmène au camion. Ouais, je le mets dans le camion. Ah, c'est bien, on le met dans le camion, comme ça on se casse. C'est une très bonne idée, je suis tout à fait d'accord. C'est bien réaliste, t'entends les bloutes, bloutes, bloutes. Et ensuite, tu vas trouver une petite manivelle à l'avant du camion. Ah ouais, comme les camions bien de l'époque, quoi. Et là, tu as une grille à gauche. Voilà. Hein? À gauche, là. À gauche, à gauche. Ouais, d'accord, okay. Ah oui, d'accord. Ah, c'était juste pour le pousser. Oh, je pensais qu'on allait se barrer avec, moi. Ça aurait été plus drôle. Et là, tu vas... Là, quand je trouve la porte de l'autre côté... Come and see. Will it hatch? Can we take it home? Là, yes, pas plus. Of course we can take it home. Ça? Non. On change tout de suite de style là. Voilà, là t'arrives dans la vie. J'arrive là où t'es. Je suis pas loin de ça. D'accord. Ok. En tout cas, on a eu la première confrontation avec le monsieur méchant. Méchant. Ouais, je pense que c'est le méchant, le grand méchant du truc. En tout cas, je pense que je vais conclure la vidéo ici, ouais. Parce que là, je suppose qu'on entre dans un tout autre registre. Ouais, carrément. Oh, waouh, c'est quoi cet endroit de merde? Ouais. Bon, on verra ça dans le prochain épisode. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à aimer et à poster un petit commentaire. J'espère que cette vidéo t'aura plu à toi aussi, Laura. Oui. Et on se retrouvera donc pour le prochain épisode. À plus tout le monde. Bye.